je m'en mêle les pinceaux. Les séparatistes ont fait appel à quelqu'un d'extérieur pour faire passer les armes, l'équipement et le matériel en contrebande en Géorgie. Ouais. Ensuite, ils ont vendu l'équipement à des criminels du coin. Ouais. Puis, Vasilis l'a fait transférer au repère, où tout a disparu. Ouais, exact. Putain, j'en reviens pas. Bah, étonnant que les services de renseignement étrangers aient eu du mal à savoir où était passée cette contrebande. Ouais, mais c'est le problème des plans trop compliqués. On peut pas contrôler toutes les circonstances. Comme des visiteurs inopinés se pointant dans la région pour foutre le bordel, par exemple. Ouais, comme nous, par exemple. Je suis à l'intérieur, Franck. Il n'y a qu'un groupe de soldats. Rien d'autre. J'en suis pas si sûr. Attendez, il y a toute une série de tunnels reliant les différents bâtiments. À mon avis, vous... Ok, très bien. Je vais faire un tour dans ces tunnels. Parfait. Tenez-moi au jus. J'ai peur de rester chez moi. Pourquoi ça ? J'y suis, et j'ai l'impression qu'il y a du monde ici. Baladez-vous un peu, mais ouvrez l'œil, et le bon, il doit y avoir des caméras par là. Franck, je suis en train de visionner une vidéo de surveillance. Ces types portent le même matos que celui qu'on a vu à Connery. Il doit faire partie du même groupe. Essayez de trouver des preuves concrètes. Je suis en train de télécharger la vidéo. Je devrais faire l'affaire. Sortez de là dès que vous aurez fini. Là, ils viennent de se fermer juste devant moi. Merde. Ils doivent savoir que vous êtes là. Des suggestions ? Les tunnels dans le champ ont forcément un système de ventilation. Vous pourriez essayer de l'utiliser. Je peux essayer.